Je suis Todd Lubart, professeur de psychologie à l'Université de Paris Cité. Et je suis le responsable d'une chaire de recherche qui s'appelle Homo Creativus. Cette chaire est organisée en collaboration pour l'axe jeu et créativité avec Asmodée. Nous examinons dans des recherches fondamentales si le fait de jouer certains jeux de société peut promouvoir le développement de différentes capacités, notamment l'esprit créatif. Alors, donc dans le cadre de cette collaboration avec Asmodée, nous menons des études. Nous avons des personnes qui vont venir après un pré-test de leur capacité à trouver des idées originales. Ils vont jouer différents jeux de société. On va voir ensuite, dans un post-test, si le fait d'avoir joué tel ou tel jeu va en quelque sorte booster leur esprit créatif. Le 21 avril chaque année, c'est la Journée mondiale de créativité à l'Université Paris Cité. Une grande conférence autour de jeux et créativité, à la fois présentant nos résultats, à la fois avec des professionnels du monde du jeu qui vont parler de leur métier. On va voir comment Homo Creativus, c'est-à-dire notre esprit créatif qui anime chacun de nous, est complètement compatible avec Homo Ludens, c'est-à-dire le fait que les êtres humains ont un esprit joueur.